C'est un bon siège. Hein. Je vous remercie d'être présents ici. Vous êtes nombreux. Hein. Eh bien, combien il y en a ici? 400, 500, 200, je ne sais pas. Bon, 300, ok. Très bien. Alors, j'ai amené un bouquin parce que figurez-vous que moi, j'ai plus de 90 ans. Hein. Alors, il y a un certain nombre de choses dont je ne peux plus parler parce que c'est coincé quelque part. Et alors, il vaut mieux avoir un petit rappel. C'est comme, comme les gens qui font, comme les gens qui sont dans les églises et qui font un discours, n'est-ce pas? Ben, ils ont toujours des petites notes pour se rappeler parce que c'est pas toujours facile de se souvenir d'un discours. Donc, voilà. Je vais vous parler de, non, mais la série intellectuelle, on pourrait dire. Je regarde pas. Comme si j'avais pas Dieu. Bon. Donc, quand la France a décidé de se joindre à un projet qui s'appelait au départ, je ne sais pas si c'était exactement Internet, mais enfin c'était l'idée de faire Internet parce que les Américains avaient commencé à faire des développements et ça commençait à être connu des chercheurs en France, pas forcément de tous les chercheurs autour du monde, mais on peut dire que déjà les chercheurs qui étaient dans la partie nord de l'Europe et ceux qui étaient évidemment aux États-Unis avaient déjà une assez bonne connaissance de ce qui devait être le futur Internet. En France, on n'était pas au courant. Hein. Internet, c'était des paquets de cartes perforées, on ne savait pas ce que c'était, mais c'était important de les avoir. Donc ça, c'est un petit peu le début de l'Internet en France. On s'est rattrapé quand même après 2 ans de développement, enfin, disons de formation du personnel, et ce qu'il fallait pour mettre les gens à peu près en phase de produire et de participer à l'échange des autres. Voilà, donc c'est quelque chose qui est arrivé en France sous le nom de TCP/IP. Alors bon, TCP/IP, ça veut toujours dire, je ne sais plus, TCP/IP, ça doit vouloir dire un gruyère quelconque qui permettait de faire fonctionner des programmes qui étaient localisés dans un certain nombre d'ordinateurs et qui pouvaient se parler entre eux. Ils pouvaient se parler entre eux, ils pouvaient même créer des réseaux, c'est-à-dire ils pouvaient commencer à créer une série d'ordinateurs qui se parlaient les uns aux autres pour exécuter les programmes qu'on les avait chargés de faire fonctionner. Alors ça, c'était très bien, mais c'était quand même extrêmement débutant. Et comme par hasard, en France, on voyait ça avec un... Enfin, du moins, le milieu scientifique voyait ça d'un œil à peu près inintéressé parce que c'était pas dans leur système. Alors on a quand même réussi à convaincre un certain nombre de personnes qui étaient dans le voisinage des ministères et qui s'intéressaient à l'Internet. Ils ne savaient peut-être pas très bien ce que c'était que l'Internet, mais ils savaient que c'était en cours de route, quelque part, aux États-Unis notamment, en cours de développement. Et ils ne voulaient quand même pas être trop en retard. Ça a quand même pris 2 ans. Alors, cela dit, ça permettait à la France d'être à peu près à jour pour être dans la série des pays qui avaient compris qu'il y avait quelque chose à développer côté Internet. Bien sûr, il peut y avoir plusieurs interprétations de l'Internet. Le fait qu'il y a eu dans la pratique
plusieurs modes de réaliser des programmes qui fonctionnaient selon l'Internet. Il y en a eu un certain nombre, et ce n'est pas fini, il y en a encore. Ça va encore se développer par la suite. Par exemple, il y aura RINA. Hein, vous avez, avez-vous entendu parler de RINA ? Levez le doigt. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des doigts aujourd'hui. Hein. Bon, alors, ça veut dire que RINA, c'est déjà un Internet, bon, une version d'Internet, on pourrait dire toute nouvelle, bien qu'elle ait déjà plus de 10 ans. Elle a été créée par un collègue américain, John Day, qui est à Boston, et qui est un des pionniers de cette version. Et donc, ce n'est pas encore très répandu dans le monde. Cela dit, il sera probablement, dans 10 ans, il sera probablement obsolète, parce que Internet, ce n'est pas quelque chose comme un statut de pierre qui reste visible pendant des dizaines d'années, ou des milliers. Donc, il faut s'attendre à ce que je vais vous raconter aujourd'hui, ce sera forcément des choses un peu proches de ce qui s'est passé il y a 10 ans, et probablement déjà obsolète dans certains pays. Enfin, il vaut mieux connaître ce qui s'est passé dans notre histoire, parce que ça permet à la fois de parler aux des gens qui étaient de cet âge, c'est mon cas, moi j'ai plus de 70, hein. J'ai 90, c'est ça, j'ai 91 en fait. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai un bouquin, parce que des fois j'ai des trous de mémoire. Hein. Donc ça me permet de me rappeler un petit peu ce qu'on a fait. Alors quand on a eu l'autorisation et l'argent qu'il fallait éventuellement pour développer quelque chose que les Américains appelaient Internet, mais pas que les Américains, il y avait aussi les gens du nord de l'Europe. Il y avait les Allemands, il y avait les Suisses un peu, il y avait les gens de... Oh, je ne sais plus, c'est les... Bon, peu importe. C'est, c'est les gens qui étaient dans les différents pays qui étaient le long des mers qui sont au-dessus de la France. Alors bon, ça, c'était déjà... Et les premiers inventeurs ou les premiers développeurs d'un nouvel Internet, chacun faisait ce qu'il pouvait, et en France aussi on faisait ce qu'on pouvait, c'est-à-dire pas grand-chose. Hein. Étant donné qu'il fallait pour ça avoir une équipe et un minimum d'argent pour qu'elle puisse fonctionner, en ayant le temps de trouver des gens qui passent partie de l'équipe. Alors, c'est ce qui s'est passé. Évidemment, on n'était pas très connus. On était connus de quelques personnes qui étaient chargées du plan calcul. Le plan calcul Internet, à l'époque, c'était une petite équipe qui essayait de comprendre ce qui se passait ailleurs, comme aux États-Unis, et de voir comment ça allait pouvoir rentrer dans la civilisation française, qui à l'époque ne dépassait pas le stade du calcul privé, quoi. On pouvait faire sur des ordinateurs des calculs pratiques, mais il n'y avait pas encore de système complet qui permettait de lancer des programmes qui pouvaient faire beaucoup de choses différentes pour différents utilisateurs. Ça, c'est venu une dizaine d'années après. Donc, on était à ce stade où il fallait faire quelque chose pour être vu de l'extérieur comme étant des gens avancés. En fait, en France, il n'y en avait pratiquement pas, quoi. Il y avait ceux qui nous favorisaient, qui faisaient partie du plan calcul français.
Mais il y en avait peut-être au total pas beaucoup plus qu'une quinzaine ou une vingtaine. Alors tout ça, c'était évidemment tout à fait incongru de la part je dirais pas des monstres, mais des sociétés qui avaient le pouvoir de l'argent et le pouvoir aussi d'une multiplicité de personnel dans leur château fort. Alors ça, c'était essentiellement les PTT, mais pas seulement, parce que les PTT, il y en avait dans tous les pays en Europe. Donc, les PTT français ne jouaient pas un rôle très visible à l'époque, mais ils ont quand même commencé à comprendre que s'ils voulaient être intéressants un jour, il valait mieux qu'ils se mettent d'accord avec d'autres PTT, qui soient. Ce qui a toujours été le cas dans le monde des PTT, c'est de se placer dans des groupements ou des systèmes d'influence qui leur permettent d'être reconnus le plus possible et d'avoir les moyens nécessaires pour continuer à évoluer. Mais ce n'était pas des systèmes qui évoluaient rapidement. Donc avoir un système qui avait 10 ans d'âge, c'était déjà considéré comme une merveille. Alors ça, c'était évidemment que, comme nous on s'attaquait plutôt à une merveille, on n'était pas très bien connus. Et même si on a été assez rapidement connus dans le monde européen et aussi américain, mais il avait fallu attendre quand même un peu plus de 2 ans, quoi. Parce que pour être connu, il faut se bouger, quoi. Enfin, il faut se faire connaître à la fois par les écrits ou les ouvrages. Quand je dis ouvrages, ça peut être des bouquins comme ça. Vous voyez, j'en ai apporté un, c'était un de ceux qui est toujours valable d'ailleurs, parce qu'elle raconte l'histoire de ce qui est devenu l'Internet, ou comment l'Internet a commencé en France, quoi. C'est Springer qui débute ça, hein. Alors, le titre, c'est les inventions de Louis Poussin, mais il ne faut pas prendre ça par la lettre, hein, parce qu'on était quand même une équipe qui a commencé par être 5 ou 6 programmeurs, ou en tout cas des gens qui avaient déjà une bonne expérience de l'informatique. Et elle a constitué l'équipe avec tout ce qu'il faut pour la rendre visible et suffisamment, on va dire, productrice pour montrer aux gens qui nous finançaient qu'on faisait du bon travail. Alors, cela dit, ben, on l'a fait, quoi. C'est rien d'extraordinaire. Quand on sait ce qu'on veut faire et qu'on a une équipe intellectuellement capable de comprendre quel est le but, ben, on y arrive. Donc, même si c'est 2 ans, c'est long, c'est pas si long que ça, parce qu'il faut commencer par faire beaucoup de baratins et beaucoup de séances de diffusion de nos idées pour arriver à faire quelque chose de concret, quoi. Mais ça s'est passé, c'est tout. Et en fait, ce qui s'est réalisé, c'est que on a quand même été beaucoup plus rapidement connus des Européens et des Américains que des Français. Alors ça, c'est peut-être un peu un vice français, c'est de ne pas aller trop vite et d'être plus malin que les autres, c'est-à-dire quand ils auront fini, on leur montrera toutes les bêtises qu'ils ont faites, quoi. Alors, ça s'est passé un peu le sens inverse. Donc, on s'est rapidement rapproché de tous les Européens qu'on connaissait et qui, en fait, ont été assez ravis, en général, de nous retrouver. Parce que dans tous les pays, quand on fait des choses nouvelles, il y a toujours quand même un minimum de difficultés. Je ne parle pas des finances, il y en a toujours, mais évidemment aussi
des gens qui ne sont pas d'accord, qui pensent qu'on perd son temps, que oui, on a déjà fait, mais ça ne marchait pas, enfin, ainsi de suite. Eh bien, ça, on avait évidemment toutes les critiques possibles, mais on ne s'est pas inquiété de ça. C'est pas sûr que ça fait partie du jeu des inventeurs, c'est quand ils font quelque chose, ça peut. Il y a un tas de gens qui disent que ça ne peut pas marcher, puis il y en a un petit nombre qui pensent que ça marchera. Bon, on est passé par là, c'est tout, mais ils ont quand même mis pas mal de temps à s'apercevoir que ça pouvait marcher. Alors, cela dit, ça a quand même pris, une dizaine d'années pour que les choses évoluent. Alors, ça veut dire que ce qui était déjà américanisé a continué à évoluer. C'est-à-dire que leur principe ou leur manière de spécifier les programmes, ça évoluait par-ci, par-là, quoi. Pratiquement, il y avait presque toujours une nouvelle version au bout de 6 mois ou 10 mois. Ben, c'était pas un truc stable, mais ça évoluait, et à chaque fois, il y avait toujours de nouveaux groupes qui venaient s'agglutiner à ça. Donc le début d'Internet n'a pas été trop difficile parce que les gens qui commençaient à travailler là-dessus ont été suffisamment convaincants, ont tout de suite créé des sigles qui permettaient d'être reconnus dans le monde et d'inciter tous les organismes qui avaient déjà travaillé sur les développements d'Internet, pas le téléphone, mais simplement le calcul ou les documents. Donc ça permettait de créer une première génération de gens qui savaient un petit peu de quoi ils parlaient, quand ils parlaient de programmes, quand ils parlaient de versions de X ou Y, qui était capable d'écrire quelques lignes qui permettaient à un ordinateur de les traduire dans un code qui pouvait fonctionner. Alors ça, c'était la base. Et évidemment, la base a beaucoup évolué. Par exemple, RINA, vous connaissez? Il y en a un qui connaît, je l'ai vu tout à l'heure. Bon, alors RINA, aujourd'hui, on peut dire qu'en France, c'est quand même aujourd'hui une espèce d'oiseau bizarre qui voit passer dans le ciel de temps à autre, mais on ne sait pas ce que c'est, quoi. Alors, en fait, c'est l'Internet, non pas d'aujourd'hui, mais d'il y a 10 ans. Donc, aujourd'hui, l'Internet, c'est RINA. Pourquoi ce n'est plus l'Internet? Bien, c'est parce que RINA n'était pas un système totalement fiable. Pardon. L'Internet n'était pas, le TCP/IP n'était pas fondamentalement fiable parce qu'il était possible de lui donner des requêtes qui n'étaient pas valides, ou bien ça pouvait même être utilisé pour envoyer des requêtes mal foutues ou en tout cas vicieuses, de manière à empêcher les systèmes des autres de fonctionner correctement. Alors, tout ça, il fallait le corriger, il fallait d'abord se rendre compte de quels étaient les moyens pour caricaturer ou pour mettre les copains dans une salle d'exposition. Ben, c'est-à-dire, c'était la concurrence entre des équipes qui pouvaient être du même pays ou de pays divers. Ben, c'est un petit peu la concurrence qu'il y a dans tous les systèmes, je dirais pas de type industriel, mais ça ressemble aussi à les industries qui essayent de copier les autres ou de raconter que c'est mieux qu'un autre industriel, alors qu'en réalité, il y a quand même un certain nombre de bugs qui ne marchent pas. Alors ça, c'est, on pourrait dire, la méthode habituelle d'évolution de l'industrie.
on peut appeler ça industrie au départ, mais au départ, c'est évidemment des brouillons, l'industrie. Il faut trouver les gens qui croient à ce qu'ils font et puis qui soient capables de le faire connaître suffisamment pour en convaincre beaucoup d'autres. Parce que s'il n'y a qu'une ou deux équipes qui l'ont compris, ce n'est pas assez pour échafauder une génération. Donc, ça, c'est naturel dans tous les systèmes qui sont en particulier intellectuels, mais aussi commerciaux. Donc, tout ça, ça prend du temps et quand même de l'argent. Et l'Internet a démarré comme ça. Et je me souviens qu'il y a quelques années, nous avons encore été obligés de tenir compte de certaines erreurs. C'est pas toujours des erreurs d'ailleurs. Enfin, disons certains cas de fonctionnement d'Arina qui n'était pas connu, n'était pas perçu par les internets antérieurs comme étant des choses qui pouvaient gêner ou qui pouvaient faire marcher de travers les programmes existants. Donc ça, c'est aussi une situation que vous trouvez dans tous les systèmes nouveaux qui font appel à la technologie, c'est qu'il y a toujours des gens qui sont très en avance. Quelquefois, c'est au pire, parce que s'ils sont très en avance, parce qu'ils n'ont pas réfléchi à tout ce qui allait leur arriver. Donc ça, c'est une nature normale dans le développement des sciences. Mais quand on peut passer au stade pratique, où les développements que l'on fait avec des machines une machine arithmétique, bien il faut quand même s'assurer qu'on ne va pas créer des situations, par exemple des décisions ministérielles ou des prétentions commerciales qui sont hors de portée de leur capacité. Alors ça, c'est éternel, ça arrivera toujours. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, RINA a de l'avance par rapport à ce qui s'est fait avant, mais on ne peut pas dire qu'il n'y aura jamais mieux que RINA. C'est probablement, il y aura RINA 1, RINA 2, RINA des choses comme ça, quoi. Mais ce serait assez normal qu'il y aura dans quelques années des versions qu'on appellera peut-être plus RINA, mais qui seront tout à fait avantageuse pour faire du travail plus rapide, plus sérieux, plus garanti, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'inquiétude dans l'esprit des utilisateurs. Un peu comme les médicaments, hein, ça. Si vous avalez un médicament qui a une bonne réputation et que vous avez des coliques, ou même pire, eh bien, on pourra dire aussi, ben oui, c'était pas un bon médicament. Mais les logiciels, c'est pareil, hein. Il y en a toujours de bons et de moins bons. Et au niveau de l'humain, il faut pas perdre de vue que en dehors de l'Europe, un certain nombre de pays plus avancés, alors ça, je peux dire qu'il y aura la Chine. La Chine, à côté de la Chine, qu'est-ce qu'il y a ? Ben, les Russes, qui n'est pas très loin, qui se font la concurrence déjà avec beaucoup de sérieux. Et puis aussi les pays où il y a des quantités de langues qui n'ont plus rien à voir avec le latin ou avec l'anglais ou avec l'allemand, et qu'il faut traduire par des langues autochtones. Ça ne veut pas dire qu'ils sont moins bons, mais ça veut dire que leur population, elle ne pourra utiliser leurs projets ou leurs avances techniques que dans la mesure où tout ça aura été testé sur un certain nombre d'utilisateurs
Ah oui, c'est comme ça que les médicaments avancent, hein, et les logiciels aussi. Alors, tout ça, ça nécessite évidemment un minimum de suivi et de critique de la part de tous les gens qui ont la possibilité de faire des critiques et de les publier et de ne pas se faire envoyer au diable parce qu'ils ont fait des erreurs. Donc, c'est ce qui va se passer dans l'Internet. Vous tous qui êtes ici, vous avez pour la plupart la chance de pouvoir être vivant dans une dizaine ou une cinquantaine d'années, ça dépend de votre âge de départ. Et puis, ben, vous pouvez vous amuser à compter les nouvelles venues dans le logiciel de l'Internet et les pratiques que l'on développe, les machines que l'on crée pour ça, et les résultats ou éventuellement, je dirais pas les catastrophes, mais enfin disons, les choses qui n'ont pas réussi ou qui ont même des fois créé de sérieux ennuis aux utilisateurs. Bon voilà, je vous dis ça, je crois que j'ai fait le quart d'heure, non ? En plus, non ? Bien sûr, vous voudrez en savoir plus, et il y a énormément de choses à savoir plus pour les années qui viennent. Alors oui, il y a des machins, je vais le donner à ceux qui vont me tendre la main. C'est pour s'initier à RINA, R-I-N-A, Research in, je ne sais plus ce que ça veut dire déjà. Ici, c'est marqué dessus, Recursive Internetwork Architecture, voilà, c'est RINA. Donc c'est l'Internet d'aujourd'hui, ou même d'avant-hier. Hein. Donc, alors voilà, alors ceux qui veulent faire de l'Internet aujourd'hui, je leur suggère de commencer par RINA. D'abord, c'est plus simple à utiliser, parce qu'il y a des sortes de précautions qui sont prises dans le codage du code de RINA pour éviter de faire des bêtises. Il y en a quand même qui peuvent être faites, mais c'est beaucoup plus proche de quelque chose qui est indépendant de la machine ou indépendant du logiciel particulier que vous utilisez pour faire fonctionner l'appareil qui va faire fonctionner le code. Alors ça, on pourrait dire que c'est vrai en général de tous les systèmes de codage. Il y a toujours quelques idées qui ont été utilisées qui ne sont pas forcément garanties contre les erreurs. Et puis, par ailleurs, il y a des bouquins. Alors celui-là, c'est un bouquin qui est Springer, hein. Et il est à peu près à jour parce que les derniers articles sont de... Voilà, de quoi ? Les derniers articles, ça date de 2019, vous voyez. C'est pas trop vieux encore, hein. Alors, il y en a des fois qui sont plus jolis à voir. C'est... Bon, c'est la même chose, hein. Mais le bouquin est un peu plus gros. Et puis, ouais, c'est tout. Puis, il y a des images dedans. Voilà. Bon. Voilà. Bon. Bien, je vous souhaite une bonne carrière. Du moins, pour ceux qui ont 70 ans, il y a encore un petit peu là-dedans. Et ceux qui ont 25 ans, ou même un peu moins, ont tout un rêve à faire
pour planifier votre carrière dans l'Internet. Pour pas avoir peur, hein, parce que tout le monde a fait des erreurs dans l'Internet. Il y a des quantités de développement qui sont obsolètes. Donc, commencez pas par ça, quoi.